Salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. Comme vous le voyez aujourd'hui, on va se régaler avec un petit déjeuner très 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 facile à faire, très rapide. La recette de pain perdu, revisiter un tout petit peu une recette très facile avec peu d'ingrédients. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, j'espère que vous allez vous abonner, activer la cloche pour suivre toutes mes nouvelles vidéos. Et là, allons voir les ingrédients pour cette recette. Donc là, j'ai besoin d'un blanc d'œuf. Moi je ne mets pas le jaune, j'aime pas l'odeur. Un verre de lait, un peu de vanille liquide et une demi-baguette. Vous pouvez utiliser du pain demi, mais moi je voulais vous montrer avec une baguette de la veille. Donc là je mélange le lait qui ne soit pas trop trop froid ni euh, chaud avec l'œuf. Je rajoute un tout petit peu de vanille liquide, vraiment de la vanille c'est important. Si vous n'avez pas de vanille liquide, vous pouvez rajouter euh, du sucre vanillé. En fait ça donne un goût, comme ça c'est pas tout simplement euh, euh, un mélange... Euh, fade donc là je mélange bien vous pouvez rajouter une toute, toute petite pincée de sel mais vraiment c'est pas nécessaire donc là moi je rajoute une grande cuillère à soupe de euh, sucre brun vous pouvez utiliser du sucre normal si vous n'en avez pas et là je vais venir découper donc ma baguette de la veille et un petit conseil si vous aimez que ça soit bien croustillant découpez en petites tranches vous n'êtes pas obligé de découper des tranches très très larges parce que ça va rester très moelleux à l'intérieur donc là, je découpe le pain et comme vous voyez, le tout est prêt en 10 minutes top chrono. C'est très facile à faire. Et pour la recette de caramel, je vous laisse le lien sur le petit i qui apparaîtra. Et là, vous pouvez le réaliser. C'est très, très facile à faire. Et surtout, c'est un caramel sans euh, crème liquide. Donc là, je mélange le sucre. Je vais laisser le temps donc, en fait, de se dessoudre. Donc là, je vais venir tout simplement donc tremper mes tranches de pain dans le mélange donc dans l'appareil. Je vais laisser une à deux minutes. Moi, je veux pas que ça soit trop imbibé. Après, ça vous de voir. Donc, si vous voulez que ce soit vraiment moelleux à l'intérieur, laissez-le. Mais sinon, voilà, moi, je ne laisse pas trop trop longtemps. Et donc, je fais pareil avec toutes les tranches. j'ai fini mes tranches de pain donc là je vais mettre une poêle à chauffer sur feu moyen et je vais rajouter une grande cuillère à soupe de beurre que je vais laisser fondre pour pouvoir cuire mes petits pains. Moi je le mets pas au four, je mets directement à la poêle, c'est trop trop bon. Franchement avec le beurre ça donne un meilleur goût si vous n'en avez pas vous pouvez utiliser un tout petit peu d'huile euh, végétale mais avec le beurre franchement c'est trop trop bon donc là je vais venir mettre mes tranches de pain. Si vous voulez que ça soit croustillant à l'intérieur et à l'extérieur, vous le mettez sur feu moyen et vous le laissez dorer tranquillement. Voilà. Et surtout, quand je vous dis, vous pouvez utiliser avec du pain de mie. C'est très très bon aussi. Moi, je voulais le faire avec ce que j'avais à la maison. Donc là, je les laisse dorer tranquillement. Et voilà, moi mes tranches de bain à zan bien cuit. Donc là, je vais les servir avec du caramel. C'est une recette super facile, un petit déjeuner express qui change très pratique, très facile à faire avec ce qu'on a à la maison. Mais surtout, c'est très très bon, très gourmand. Et tout le monde peut le faire. Voilà, voyez, ça donne vraiment envie. Et j'espère que si vous avez aimé la recette que vous allez vous abonner et activer la cloche, liker et me laisser vos commentaires. Et je vous en remercie bien sûr. Et donc là, moi, je rajoute du beurre, euh, pardon, <laughs> du caramel beurre salé. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du chocolat à tartiner ou bien avec de la confiture, ou bien nature, parce qu'il y a déjà du sucre. Et c'est trop, trop bon. Voilà, donc du coup... Moi, je vous dis bon appétit et à une autre recette et à notre prochain rendez-vous, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Wassallahu alaikum.